cacher ces ventres que Sainte-Maxime ne saurait voir. Dans le centre-ville, les bikinis, les torses nus se font rares. Est-ce à dire que la répression anti-maillot fait rage? Oubliant tout complexe, nous avons tenté l'expérience. La réaction a été rapide. Ça mettait quelque chose sur le dos. Au moins, ça sera plus décent. Et si j'ai rien? Vous retournez d'où vous êtes. Voilà, pas de verbalisation. On vous demande simplement, gentiment, d'aller enfiler une chemise en se référant à l'arrêté municipal, l'arrêté qui est affiché dans la mairie. La plupart du temps, c'est le petit string. Il y en a même qui se promènent les seins nus dans la rue. Bon, je dis pas sur la plage, c'est très bien. Mais en ville, c'est pas concevable. Hein, c'est pas normal, il y a des gens qui mangent. C'est pas agréable. Déjà, quand on est beau, c'est une chose. Mais alors, quand on voit des bouddhas et des horreurs, comme on peut voir, qui se permettent de mettre toute leur viande à l'air, moi je trouve ça lamentable. Il ne faut pas qu'ils soient trop dénudés quand même. Un petit maillot de bain pas trop décolleté, moi je pense que c'est pas mal quoi.